Comme vous, Ardennais, je le suis de cœur et de sang. Petit-fils d'immigrés polonais, comme de nombreux travailleurs, mes grands-parents sont venus dans les usines des Ardennes. Par le sang maternel, je suis éternellement lié à la terre des Ardennes. Du haut de cette vallée, j'entends au loin encore le bruit de quelques usines parvenues à rester. Un peu plus loin, j'admire les quatre fils Aymon, trace indélébile des légendes ardennaises, qui témoignent du riche passé historique de notre territoire. Comment peut-on rester insensible face à un tel patrimoine historique, naturel, militaire, architectural, industriel et spirituel? Ce patrimoine est à la grandeur des femmes et des hommes qui y vivent, qui en ont fait sa richesse. Ce peuple des Ardennes, au cœur infini et au courage immense. Malgré les aléas, les conflits, les difficultés du territoire, le peuple ardennais a toujours résisté. Je serai leur porte-parole et défendrai de toutes mes forces, de toute mon énergie cette terre. Face aux menaces actuelles, celles du terrorisme, de l'ultramondialisme, du règne de la finance, notre véritable ennemi, nous devons retrouver la voie de la prospérité. Je ne crois pas à la fatalité. Reprenons notre destin en main. Je serai là pour vous servir et vous protéger.